Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Au Burkina, la rue peut donner le pouvoir, mais la rue ne peut pas gouverner éternellement. Juge Nestor Podassé. Connu dans le milieu de la société civile pour sa position tranchée par rapport à la présence des militaires français au Burkina Faso, Nestor Podassé se sent de plus en plus galvanisé dans sa lutte au regard des derniers événements. Dans cette interview réalisée le mardi 25 octobre 2022, le coordonnateur national de Planète des jeunes panafricanistes Burkina Faso revient sur sa participation aux Assises nationales du 14 octobre 2022 et livre son analyse sur la situation nationale. Nestor Podassé, dit Mandela Ier, est naturothérapeute et président de l'Association des naturothérapeutes de Haut-Bassan. Le Faso.net. Parlez-nous plus en détail de votre parcours. Nestor Podassé. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Yaoundé. J'ai commencé mon école primaire là-bas, avant de continuer ici, au Burkina Faso. J'ai fait le lycée à Banfora, avant de repartir en Côte d'Ivoire. Avec la crise de 2002-2003, je suis rentré. Quand je suis revenu, j'ai travaillé avec mon oncle, l'ancien commandant de la gendarmerie, Palais, à Banfora. Après, j'ai quitté pour me lancer dans mes propres activités en 2007. Après cela, je faisais l'agriculture et la ferme. En 2012, suite à la maladie de ma petite sœur, j'ai embrassé la carrière de naturothérapeute. En 2020, je suis allé en Côte d'Ivoire à l'Institut ivoirien de recherche et d'éducation en orthobiologie pour me spécialiser. À mon retour, j'ai créé mon cabinet à Bobo-Dioulasso. La même année, au cours du mois de mai, les pères de la fêtière Naturo de la région m'ont porté président des naturothérapeutes pour un mandat de 5 ans. En 2021, j'ai été désigné coordonnateur national de Planète des jeunes panafricains, section du Burkina Faso. Vous animez plusieurs plateformes et mouvements panafricanistes. Pouvez-vous nous les présenter? En dehors de la Planète des jeunes panafricains, dont je suis le coordonnateur national, pour les autres plateformes, ce sont des coalitions. Il y a les organisations de la société civile du Sahel, le M30 qui est national, le bloc panafricaniste qui est international. Lorsque votre plateforme fait partie de coalitions, on peut vous nommer administrateur responsable d'une organisation. C'est ce qui explique cela. Ces derniers jours, vous avez diffusé un message faisant cas de volonté de déstabilisation de votre mouvement et de menaces contre votre sécurité. De quoi s'agit-il? Il faut dire que ce sont des menaces qui datent de longtemps. Sauf que ce n'était pas trop médiatisé. Si vous remarquez bien, dans le mois d'août 2022, il y a le journal Courrier Confidentiel qui avait révélé qu'il y a un activiste panafricaniste à Bobo qui craint pour sa vie après avoir échappé à 3 tentatives de meurtre orchestrées par les services secrets français. Je reçois constamment des menaces de mort sur mes pages Facebook et WhatsApp. On me menace inbox en disant que si je veux vivre longtemps et voir mes enfants grandir, d'abandonner le combat contre la présence militaire française dans le Sahel et au Burkina Faso. La dernière en date, c'était le 31 juillet 2022, devant ma porte, où j'ai échappé de justesse à une tentative de meurtre. Les services de renseignement burkinabé et de sécurité sont au courant. J'ai fait plusieurs fois des déclarations auprès d'eux. Avant les manifestations du 29 septembre 2022, des activistes pro-français ont fait des publications contre moi. Même le 28 septembre, ils ont fait une publication où ils ont mis ma photo en rouge en demandant de me tuer si je sors manifester le 29. Dieu merci, les choses se sont passées en leur défaveur. Maintenant, ils publient ma photo partout où je passe et ils mettent en disant que j'ai appelé à tuer des gens alors que nulle part dans mes interventions, je n'ai dit cela. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.